Mamina, qu'est-ce que ça vous fait de jouer en présence de ce beau monde ce soir? Yeah.
travail de diffuser en Guadeloupe sur RFO. Nous avons promis justement cette cassette à nos confrères de Radio France d'Outre-mer qui vont diffuser ça. Standing ovation, mesdames et messieurs, mettez-vous debout pour saluer la petite Mamina. Et ça va être diffusé dans les Antilles françaises sur RFO. Il faut montrer ce que ces accueils pour que nous réserver à la petite Mamina. La petite Mamina, justement, qui sera ce soir à Domingo Classico à La Chaumière. Elle sera à La Chaumière à Domingo Classico. Comme vous le savez, l'entrée est gratuite à Domingo Classico. Tenue de ville exigible. La petite Mamina va performer toute seule. Mais alors, sans son papa, elle ne saurait être ce qu'elle est aujourd'hui. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir M. Rodrigue Jacquet, le père de Mamina, de Guadeloupéen, qui a donné naissance à cette prodige. Rodrigue, qui est un excellent guitariste. Il vient de venir à New York. Aujourd'hui, ils sont à New York. Monsieur Rodrigue, quelle est vos premières impressions concernant cet accueil que les Haïtiens vous ont réservé ici à Royal Ballroom? Eh bien, je constate que le compas est toujours là, parce que vous savez, il y a un moment le compas a dû diminuer un petit peu. Dans les Antilles. Dans les Antilles. Mais finalement, je constate que les Haïtiens sont là. Alors je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir Mamina au concert, c'est pour moi. Ok, merci. Pause. Le compas se porte merveilleusement bien dans les Antilles, parce que le compas était boycotté au début des années 80. Mais vous savez, chasser le naturel, on revient au galop. Mesdames et messieurs, la petite Mamina et le skate.